Salut à toutes et à tous, c'est Kizae et bienvenue pour la suite de Golden Sun 2, épisode 31, sauf erreur. J'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va très bien. Alors juste deux petites secondes. Hop. Bon désolé, vous aurez vu le truc Norton, 30 secondes, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Allez hop. Voilà, donc, la dernière fois on avait commencé, enfin continué plutôt, la recherche des djinns. Nous étions arrivés ici à l'île du temps, j'ai récupéré un dernier djinn de Mercure. Et j'étais aussi parti sur la forge d'armes, mais bon ça n'a pas marché. Bon, entre temps soit dit, en 9 j'ai réussi à avoir Excalibur et Soulcalibur. Je vous les montre tout de suite. Alors, ah oui mais merde je les ai pas équipés, enfin, je crois pas. Ou bien, si, Vlad Excalibur, voilà, et Garrett c'est l'épée obscure. Après effectivement j'ai récupéré aussi d'autres... j'ai forgé d'autres armures, l'armure Xylion pour par exemple Pavel ou Vlad, hein, peu importe. Bref, j'ai forgé pas mal d'autres équipements également, je crois. Vraiment stylé, vraiment cheaté. Moi qui augmente bien mes stats et tout ça. Non, c'est pas mal, là ils sont bien équipés mes personnages. C'est cool, c'est cool. Alors, écoutez, bah, on va tout simplement quitter cet endroit. On n'a plus rien à faire ici. Vu qu'on a battu le boss optionnel, ah voilà. Alors ça c'est le hurlement donc de l'épée de Vlad, donc d'Excalibur, légende. Alors ça crée une sorte de anneau qui balance des épées lumineuses, sachant que ça peut en balancer 2, 3, même plus. Hein. Voilà, ça fait du 696, ça peut atteindre 1000 et quelques aussi, si ça balance plein d'anneaux. Je crois qu'il y en a 5 ou 4 en tout. Et si ça fait les 4 ou 5, ça balance, enfin ça fait du 1000 de dommages, un truc comme ça, c'est vraiment assez balèze. Non, franchement, c'est l'épée d'Excalibur est assez puissante, franchement. Après, pour la lame obscure de Pavel, c'est bon, c'est... Disons que oui, c'est une épée qui est puissante. En fait, l'effet est exactement le même que l'épée titan, sauf que c'est une épée noire plutôt que brune. Donc voilà, voilà l'hurlement donc de l'épée de Vlad. Et je pense que je vais garder cette team-là. Ouais, je pense que je vais garder cette team-là pour... pour affronter les prochains boss, ça va être assez marrant, je pense. Par contre, oui, alors j'avais juste changé ça en off. Je vais finalement le redonner à Garrett contre je sais pas n'importe lequel, peu importe. C'est juste pour que je puisse garder Lina comme soigneuse et utiliser Pierce comme défenseur avec le djinn de Mercure. Voilà, tout simplement. Bon, alors une fois que j'aurai quitté cet endroit. On va pouvoir se lancer à la prochaine destination, récupérer encore un djinn. De mémoire, il me reste juste un djinn de Mercure, non. Attendez, parce que là j'en ai 8, 9, donc il me reste Vénus, putain. Jupiter, il m'en reste un aussi. Et Mercure, je les ai tous. Et pas Mars aussi, donc voilà, il me reste un de Jupiter. Et un de Mars. Oh Vénus, putain, j'arrive plus à faire la différence, c'est abusé. Hein. Et je sais très bien où ils sont les deux. Donc celui-ci, normalement, ça sera l'avant-dernier épisode. Hop là, qu'est-ce que je fais? Ça sera normalement l'avant-dernier épisode. Alors, il sera peut-être plus court, si j'arrive à battre les boss tout de suite après. Il sera peut-être plus court. On verra bien. Je crois qu'on avait gagné une invocation aussi, normalement, hein. Sauf erreur, on avait gagné une invocation qui était... c'était quoi déjà? Catastrophe, je crois, c'était ça, hein. Il me semble qu'on avait gagné l'invocation catastrophe. Malheureusement, je peux pas voir là... Invoquer, oui. Non, je peux pas voir. Ah non, ça c'est pour l'aide, dommage. Y'a pas moyen de voir les invocations? Jean. Non, il n'y a pas moyen. Ah, dommage. Bon, tant pis. Je vous montrerai ça en combat, ce que ça fait. À moins que je vous l'ai montré, je ne sais plus. Je sais plus. Franchement, je sais plus parce que ça fait un bon moment. Je dois vous avouer, ça fait un bon moment que j'ai pas tourné de Golden Sun 2. Donc, très honnêtement, je crois que j'ai oublié ce que j'avais comme invocation et tout. Donc, prochaine destination, c'est ici. L'île aux pirates. Ou l'île des trésors, je ne sais plus son nom exactement. Et voilà, tout simplement. On va aller battre un autre boss optionnel. Et récupérer encore une invocation qui est cette fois-ci, si je ne me trompe pas, ce sera Léviathan.
si je ne me trompe pas. Ensuite, on ira au désert de Yampi, encore une fois. Mais pour aller battre justement un des derniers, l'avant-dernier boss optionnel. Et normalement récupérer une autre invocation, j'espère. Et suite à quoi, ben, on ira peut-être, si j'ai le temps, si c'est pas trop long, au temple d'Anemos. Et on ira battre le dernier boss optionnel. Par contre, désolé pour ceux qui connaissent le jeu, et désolé pour voilà ceux qui savent, ceux qui connaissent la méthode de battre le boss. Je vais utiliser une méthode, on va dire, dégueulasse, enfin, un peu cheatée, oui. Enfin, c'est pas vraiment du cheat, mais c'est clair que c'est une méthode facile, quoi. C'est vraiment pour pas se faire chier. Hein. En fait, vous lui balancez une certaine invocation deux ou trois fois, et le boss, c'est du gâteau. Hein. Le boss, c'est vraiment du gâteau, donc bon. Désolé, je sais qu'il y en a à qui ça va pas plaire, mais je vais faire ça pour gain de temps. Et surtout, parce que le boss à faire en normal, il est juste pas possible, quoi. Enfin, il est possible, mais il est super dur. Alors, voyons voir. Là, je crois qu'il faut que je vole, par contre. Parce qu'il me semble que pour passer... Ah non. Non, j'ai rien dit. Je pensais qu'on devait voler, mais en fait, non. Ok, ok. Voilà. Donc l'île au trésor, c'est pas l'île au pirate, excusez-moi, donc c'était l'île au trésor. Je sais qu'il y a donc le dernier djinn de Jupiter qui est par là. En revanche, je ne sais plus du tout dans quel sens ça marche. Bon, on va essayer. Hein. Alors, pour l'instant, des pièces et des porte-bonheur, c'est parfait. Le coffre est vide, là aussi. J'imagine qu'à côté, c'est pareil. Voilà. Et logiquement la suite c'est là-haut. Ouais. Alors, voyons voir. Il me semble qu'ici tous les coffres sont vides, il me semble, juste là. Il me semble que c'est tout vide ici. Ouais, c'est ce que je pense. C'est juste un leurre, hein. C'est vraiment un gros leurre en fait. Hein. Mais il me semble bien que c'est tout vide par là. Ouais, bon, tant pis. Ça fait quoi déjà? Ah oui. Oui, je m'en souviens. Alors là, je crois qu'il faut utiliser, c'est pulvérisé. Où est-ce qu'il est? Voilà, pour faire rétrécir le pilier de nouveau. Et comme ça, on peut passer. Alors, attendez que je me repère de nouveau. Ouais, donc là, je ne peux rien faire pour le moment. À part continuer par en bas. Bon, j'espère que Golden Sun ça vous plaît toujours. Hein. Honnêtement, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le suivent. Ça m'attriste quand même un petit peu. Attends, what? Comment je passe là? Je vous avouerai, oui, ça m'attriste un peu quand même de voir que malheureusement ça. Golden Sun n'intéresse pas. C'est. Ouais, c'est dommage. Je sais pas, je trouve ça dommage un peu. Bon, je peux comprendre parfaitement, mais je trouve un peu dommage quand même que ça n'intéresse pas. Alors. Là, faut être intelligent, hein, pas pousser le tronc tout de suite. Il faut que vous passiez d'abord. Enfin, il faut que vous le passiez intelligemment pour retourner en arrière et le pousser à partir de là. Voilà, comme ça, la plateforme va se soulever et on peut passer. Putain, on est déjà à 9 minutes, mais non. La vache, ça passe trop vite, j'ai rien fait encore. Je sais, c'est que 9 minutes comparé à ce que je fais d'habitude, mais quand même, 9 minutes, quoi. Ok, alors, là, va falloir la jouer intelligemment. Voyons voir... ouais, donc c'est le pylône de droite qu'on peut détruire. Vu qu'on a la corde pour venir sur celui du milieu, c'est celui-là qu'il faut détruire sans récupérer le coffre. Ah oui, ça marche tout par logique. Golden Sun, c'est surtout de la logique. Bon, après, je sais que dans Golden Sun 1, sûrement, j'ai loupé des coffres. Golden Sun 2, pareil, j'ai peut-être dû en louper, ça c'est sûr. Mais ça marche par logique. Hop, hop, voilà, comme ça, on peut sauter tranquillou et aller chercher le contenu du coffre. Qui est un bracelet Joker, donc c'est pour changer de classe encore, je crois. Ah non, boost les PP. Ah, intéressant. Mais comment ça boost les PP? Ah d'accord, c'est pour certains personnages. Les mages surtout. Bon, bah, on va donner ça à Lina.
Voilà, comme ça elle aura plus de PP, donc pour plus, enfin pour soigner encore plus, ce qui est vraiment parfait. Oui, bah en fait, il n'y a même pas besoin de faire descendre les autres rochers, hein, on peut totalement continuer avec celui-là. Alors, déplacer. Voilà. C'est bien, ça nous fait réentendre des OST de Golden Sun 1, je trouve ça vraiment sympa. C'est vraiment un bon clin d'œil qu'ils ont fait par rapport au Golden Sun 1. Oula, oui, par contre ici. Ah d'accord, on revient à la salle qu'on a visitée tout à l'heure, parfait. Je pense pas qu'il y ait grand chose à visiter par ici, cela dit. Je crois pas qu'il y ait des contenus dans ce coffre. Je sens le gros troll. Ah non, j'ai rien dit. Un cookie, un psy cristal. De la thune, je n'ai plus besoin. Une plume sylph, ça c'est toujours utile. Une hache rouillée également. Une peau de magique. Ok, donc 3 objets de forge, un cookie, ça c'est intéressant. Et c'était quoi le truc que j'ai obtenu entre psy cristal? Bien, c'est pas mal. C'est des bons items. Voilà. Bon, procédons. Mimique, j'en étais sûr. Un coffre perdu comme ça, c'est souvent un mimique. En général, les coffres sont bien mis dans un emplacement bien précis, quoi. Les vrais coffres. Les mimiques sont vraiment un peu perdus n'importe où, tu sais. Toi, tu vas prendre vraiment cher. Bon, ça va. Ils vont sortir 40, c'est bien. Ah, Cilia aussi, je crois. C'était Cilia. Ah, j'ai obtenu du pain. Alors, cookie, booste le maximum de PP. Qui c'est qui en a le moins? Ah bah c'est Vlad. Voilà, et il y avait du pain, j'ai vu. Voilà, Yvan. Booste le maximum de PV. Alors, qui c'est qui a le moins de PV hein? Je crois que c'est Yvan en plus. Ouais, c'est Yvan. Yvan, il y a vraiment pas beaucoup de PV, c'est un truc de ouf. Il fait mal en tant que mage, mais il a clairement pas beaucoup de PV. Et il a vraiment une défense en carton aussi. Il fait mal, c'est sûr, mais il a vraiment une défense en carton. Bon, les monstres sont vraiment faciles ici, hein. Franchement, ils enlèvent pas beaucoup de vie comparé à la grotte de la sentinelle. Mais le combat de boss ici est bien sympathique en tout cas, c'est un combat que j'aime bien, surtout la musique. La musique, ça va vous rappeler à ceux qui ont suivi Golden Sun 1 beaucoup de choses, mais honnêtement, la musique quoi, oh là là. Alors là, je crois qu'il va falloir soulever. Même après, je crois qu'il va me falloir soulever, donc on va déjà l'assigner. Parce que je vais en avoir sûrement besoin. Donc là, je ne peux pas passer. Hop, par là. Ah, la robe d'Iris, bien, ça c'est une bonne armure en plus pour les mages, je crois. Pousse la chance, rend les PP. Ah, bah parfait. Je vais la donner à qui? Alina. Je crois qu'elle a pas de truc qui redonne les PP en plus. Justement, donc ça serait un bon truc. Restaure les PP. Ah, si, elle en a. Ouais, mais. Ou non, à Sophia, peut-être, c'est mieux. Parce que Sophia, ça sera peut-être la healeuse que je garderai surtout. Donc, surtout privilégier elle. On continue. Alors, soulever. Alors, j'ai dit peut-être ça sera le dernier épisode. Hein. Tout dépend de la durée. Enfin, ça dépend de beaucoup de facteurs. Et voilà le dernier djinn de Jupiter. Alors, attention. Parce que là, je sais qu'il faut que je fasse attention. Il me semble qu'on doit soulever que le rocher du milieu. Alors, attention, c'est pas les mêmes oursins que sur le bateau, hein. Ils y ressemblent, mais vu la couleur, il est un peu plus foncé, donc c'est pas tout à fait les mêmes. Normalement, c'est celui du milieu. J'espère que je me gourre pas. Mais normalement, c'est celui du milieu qui. Ouais, parfait. Et après, avec celui du milieu, on peut accéder vraiment à tout. Attendez. Ah ouais, mais faut l'immobiliser en fait. Parce que là, il va s'enfuir, je crois. Vlad a monté. Non, c'est pas Vlad, alors c'est Garrett, le héros. Ah, il s'enfuit pas? Ah, j'ai cru qu'il s'enfuyait. Ah bon.
J'aurais cru, mais non, apparemment pas. Voilà. Suffisait que je le dise pour ça, pour qu'il le fasse, ce bâtard. Ouais, donc après c'est ça, hein, c'est vraiment le rocher du milieu, quoi. Attends, par contre, je passe comment? Ah oui. Quel le con, comme ça, tout simplement. Là là là. Je voulais montrer catastrophe ou pas? Ça, maintenant que je me dis en fait. Est-ce que j'ai montré catastrophe ou pas? Parce que j'ai vraiment pas la sensation de vous l'avoir montré. Hein. Je sais pas si je l'ai fait. Je sais pas du tout. Bon, au pire, je vous la remontre, hein, c'est pas grave. On aura l'occasion, je pense, de la revoir. Sans les monstres, ici, les monstres sont pas très dangereux, donc bon. On t'enfuit pas, s'il te plaît, cette fois-ci. Ce serait cool de ta part. Catastrophe. Allez, on y va à fond les ballons. Bien, il attaque, ça, je peux l'attaquer aussi, il va prendre cher. Ah, si, ça fait vraiment longtemps ça. Puis Golden Sun 1. Voilà! Le pire, c'est qu'ils sont vraiment pas résistants, elles sont pas résistantes ces bestioles. Elles sont chiantes à s'enfuir à chaque fois. Alors non, tu iras avec Yvan, toi. Hop, 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 et hop. Non. Et Yvan, tu as combien d'HP cette fois? Normalement, t'en as un peu plus. 606, bon, ça va, c'est déjà mieux. Alors, bon, bah là, faut continuer, hein, tout simplement. Attendez. Je crois qu'on va d'abord récupérer le coffre, parce qu'il me semble que j'ai vu un coffre. Ouais, parfait. Ouh, la lame rouge, ça, c'est une bonne arme en plus, je crois. Pierre, ça augmente ton attaque. Garrett, il peut pas l'équiper parce qu'il est maudit. Ok, bah prends ça, Pierce. C'est une bonne arme, un peu plus puissante, donc autant la lui donner. Alors, soulever. Bon, là, disons que j'ai récupéré le principal, hein, qui était le djinn. Maintenant, on va aller latter la gueule au boss. Ça va être quand même assez long. Je sais qu'il y en a que ça plaira sûrement pas, parce que c'est long. Je suis désolé, hein. De toute façon, voilà. Ah, crotte. Ouais, c'était ça. Ah mince, j'ai compris. En fait, faut juste prendre le chemin de gauche après, pour qu'on puisse après accéder à l'échelle à la droite. Voilà, ça, la lame rouge déclenche purgatoire. Désolé, j'ai un petit chewing-gum dans la bouche. C'est pas très poli, je sais, mais bon. Alors, bon, du coup, on va faire ça comme ça. Hop, soulever. Parce que normalement, je peux grimper par là, j'avais vu. Ah non, mais on va accéder au milieu en fait. Enfin, ça paraît logique. Ah, donc en fait, du moment qu'on met Vlad au début, c'est bon, ça mène à la musique de Golden Sun 1, quoi, en fait. Bon, c'est pas grave, ça rappellera les souvenirs à ceux qui ont suivi Golden Sun 1. Et Lina qui a monté de niveau, parce qu'elle est justicier. Bon, justicière plutôt. Mais attends. Attends un peu. Ah non, non, c'est juste. Okay. Faut là faire bien gaffe. Surtout pas prendre celui du milieu, parce que sinon vous pouvez pas grimper en fait. Ah là, c'est bon, c'est comme ça. Comme ça, là, on grimpe. Ensuite, à gauche, on descend la corde et on va tout à droite. Voilà. Oui, c'est un peu de réflexion, Golden Sun. Ah là, vous voyez, là le chemin était barré, je n'aurais pu rien faire. Là, raccourci, comme toujours. Les Golden Sun, notre frère, c'est ça aussi, c'est des raccourcis tout le temps. Hein. C'est ça qui est bien aussi. Logiquement, on arrive bientôt à la fin, je crois. Oh putain, je déteste quand il y a des embranchements, je sais jamais quoi prendre. À chaque fois, je me dis, je prends le chemin qui va me ramener en fait vers la suite du jeu. Bah là, en l'occurrence, non. Mais je sais pas, les embranchements, j'aime pas parce qu'à chaque fois, je vous jure, hein, c'est véridique, à chaque fois, je me dis, bon, je vais prendre le chemin qui, je ne pense pas, va m'amener à la suite du jeu. Alors en fait, si, ça m'amène à la suite du jeu, et du coup, j'ai loupé trop de trucs après. Ah, déjà? On est déjà au boss?
Il nous attend là-haut. On est prêt? Je suis le gardien de l'eau, celui qui en sera digne héritera de mes pouvoirs. La musique, la musique. Ah, cette musique. Putain, pas réentendu depuis Golden Sun 1, c'est énorme. Alors, on affronte le magicien et ses boules élémentaires. Non, pas de jeu de mots de sexe, lol lol lol. Alors, je vous explique un peu. Le magicien, des attaques, enfin, comme c'est un mage, ses magies font très mal. Elles font vraiment très mal, surtout qu'il a des sorts de niveau ultime, donc il faut faire gaffe. Ensuite, les différentes boules ont différents effets. On va commencer par la boule foudre. La boule foudre permet juste, enfin, elle envoie juste, elle attaque juste avec une magie éclair. La boule bleue soigne le magicien. La boule verte crée une barrière sur lui. Et la boule rouge explose à notre gueule et cause énormément de dégâts. Alors, l'astuce pour le battre le plus facilement, et encore, je dis ça entre guillemets parce qu'il fait mal, pour battre le magicien le plus facilement possible, il faut éliminer toutes ces boules. À commencer par la boule verte. Et surtout, il faut lui laisser en fait que des boules violettes. Comme ça, il ne pourra pas se soigner, il ne pourra pas se protéger, donc réduire les dégâts, et il n'aura pas de boules rouges pour nous attaquer. Donc on va commencer par buter la boule verte, c'est la plus importante. Lina, un petit oracle pour commencer. Yvan, toi, et Pierre, si tu nous protèges. Voilà, ça c'est la protectora, vous voyez. Donc au début, le magicien, on s'en occupe absolument pas. Le plus important, c'est vraiment de s'occuper de la boule verte en premier lieu. C'est vraiment ça le plus important. Alors le combat va être long, hein. Je vous le dis, ça va être long parce que tant que c'est pas des boules violettes, tant qu'il a pas que des boules violettes de son côté, je ne m'attaquerai pas du tout au magicien. Voilà, Rajmin, vous voyez, ça fait très mal. Donc là, normalement, il va faire sa magie à... Il va appeler ses boules. Oui, je sais, c'est dégueulasse. Enfin, c'est trop lol. Oh mon dieu, qui cool lol. Non, franchement, si vous rigolez pour un truc comme ça, c'est nul quoi. Il fait mal, hein. Il fait très mal. Ah bah, c'est plus, c'est bon, c'est méga volt. Voilà, appel secret. Donc, boule bleue encore. Non, il faut pas qu'il y ait de boule bleue du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Yvan, tu attaques. Et Pierre, si nous protège. Oui, ça va être long. Le combat va être long. Donc, je sais pas du tout si ça sera le dernier épisode ou pas. Enfin, là, le dernier. L'avant-dernier épisode, pardon. Parce que le combat va être vraiment long. Bon, là, légende, ouais, d'accord. Appel secret. Bien. Deux boules violettes, parfait. Alors vous pouvez buter un peu toutes les boules que vous voulez, hein, même les violettes. Si vous voulez vous compliquer la tâche, vous le faites si vous voulez. Sachant que plus vous butez de boules, plus vous aurez d'XP à la fin. Là je vais faire un petit aura quand même, faut pas déconner. Yvan, ouais, attaque. Et Pierre, ça récupère ton jean. On va économiser un peu de PP. Parfait. 3 boules violettes sur 4, c'est parfait. Dès qu'il les aura toutes, on pourra commencer à lyncher. Ah, foiré. Alors, pour l'instant, ben, on continue le plan pour le moment. Surtout, ne butez pas après une fois qu'il a que les boules violettes. Oui. Ne butez pas, hein. Enfin, ne butez pas ces boules violettes, ça serait con parce que si vous ressort une boule verte, ça sera chiant, il va falloir la buter à chaque fois et tout. Donc, laissez-lui que des boules violettes, vraiment, c'est le plus simple pour le battre, c'est le moyen le plus facile. Allez. Ah putain, c'est pas vrai. Quelle enflure. Il veut surtout pas nous laisser obtenir la boule violette, c'est chiant quoi. Bah, on continue, hein. Pas le choix, faut continuer. Bon, c'est bien, Vlad déclenche souvent légende, ça c'est bien. Allez. Voilà, parfait.
Et là, on va pouvoir commencer l'offensive. Bon, cela dit, je vous le dis, hein, c'était pas gagné d'avance. Le magicien fait mal, et il y a 4 boules en face qui nous envoient des attaques assez puissantes. Donc, c'est clair que rien n'est joué d'avance. Attention, on est bien d'accord sur là-dessus. Hein. Hop, et ombre. Allez, c'est parti. Mais il me semble qu'il a beaucoup moins de vie quand même. Enfin, il a pas beaucoup d'HP celui-là. Bon, après, je dis ça, mais bon, c'est clair que ça dépendra de beaucoup de choses aussi. Hein. Ouais, Boulmine fait vraiment mal. Heureusement que j'ai les jeans adéquats. Hein. Ouais, en plus les boules foot, enfin les boules, elles récupèrent en plus des DPP, hein, comme si ça suffisait pas. Est-ce que j'ai un jean qui me permet de récupérer des PP avec qui que ce soit? Non, je crois pas. Hein. Toi, Yvan? Non, malheureusement pas. Ah, mais ça fait chier parce que je peux pas balancer d'attaque de zone, quoi. Alors, tu PP, y'en a aucun qui redonne des PP? Non, y'en a aucun, putain, c'est chier. Ça veut dire qu'il va falloir. Vous savez quoi? Attendez. Non. Voilà, on va faire venir Cilia plutôt, ça serait mieux. Parce que Cilia, elle peut redonner des PP à Lina. Quand il y en aura besoin. Bon, pour l'instant ça va, il n'a pas trop besoin, mais quand on aura besoin de redonner des PP, ça serait bien que Cilia soit là. Ça va, là si les gens enchaînent à chaque fois des attaques, enfin des attaques avec 3 épées, je suis 600, 700, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Par contre ouais, ça fait mal, hein. Subir les assauts de 4 boules électriques, ça fait mal. Surtout que le magicien attaque 2-3 fois par tour, je crois. Ah, mais la musique, quoi, la musique. Pff, non, mais cette musique, elle est géniale. Non, en plus, d'ailleurs, elle y est dans Golden Sun 3 encore. Elle est géniale. J'adore cette musique. Franchement, cette musique est vraiment épique, je trouve, pour les combats. Ah, dommage pour le coup critique. J'aurais préféré que tu déclenches l'hurlement de Excalibur. Dommage, Vlad. Alors juste voir combien récupère Lina après de PP, juste ça m'intéresse voir hein, parce qu'elle récupère. Alors Lina récupère 8, c'est tout? Ah ouais, tu m'étonnes que c'est que dalle, ouais. Comparé à ce que ces magies demandent, c'est que dalle 8 PP. Bon, concentrons-nous. Enfin, concentrons-nous. Lol, l'espace. C'est pas que ce soit hard, faut juste faire attention à ses attaques, quoi. Mais bon, ça va. Ça va encore. Ah, ma mère qui voulait me demander si j'avais du temps de lui accorder. Bah non, pour le moment non, je suis en plein combat, je peux pas quitter comme ça. Bon, je pense qu'on fera le combat contre le magicien et on arrêtera l'épisode après. Sinon ça va être un épisode trop long après. Ouais ouais, après me taper le désert Yampi, c'est encore un donjon. Et le boss du désert de Yampi, non non, c'est trop long. Hein. Beaucoup trop long. Très beaux effets de lumière, hein. Franchement pour de la GBA ils ont vraiment géré je trouve. Je trouve le jeu vraiment beau pour de la GBA, honnêtement c'est beau, c'est tout ce que je peux dire, c'est beau. Catastrophe. Je voulais montrer ou pas putain, ça me perturbe, je sais pas si je l'ai montré catastrophe. Bon, de toute façon je compte pas l'invoquer là-dedans dans ce match, ça va être assez tendu de l'invoquer là-dedans. Dans ce match, dans ce combat. Ça sera assez tendu de l'invoquer catastrophe. Alors, moi sachez juste que pour les jeans, moi je mets les jeans élémentaires par rapport à leur perso. Mais il y a beaucoup de combinaisons de jeans possibles, ce qui donne accès à de nombreuses et différentes classes, n'oubliez pas ça.
Si ça se trouve, les classes en combinant différents types de djinns sont largement, mais largement, et je pèse mes mots, plus puissantes que les classes qu'on obtient en mettant les djinns élémentaires de chaque personnage. Je crois qu'une des très bonnes classes, une des meilleures classes pour Vlad, c'est Berserker ou Ninja, un truc comme ça. C'est une des meilleures classes pour Vlad. Donc non, attention, je dis pas que... Enfin, j'ai jamais dit que mon association de djinns était la meilleure. Loin de là, attention. Et je vous recommande vraiment d'essayer différentes combinaisons. C'est juste que moi, genre là, j'ai pas pris le temps d'essayer différentes combinaisons de djinns. Je devrais peut-être, ça me permettrait de découvrir des nouvelles compétences, des nouveaux trucs bien sûr. Faudrait que j'essaye, honnêtement faudrait que j'essaye. Ouais. Parce que ouais, je sais qu'il y a beaucoup de classes qui sont bien stylées, puis en plus on a des synergies qu'on n'a pas avec d'autres classes. Donc c'est vraiment intéressant, on obtient vraiment une chier de synergies qu'on n'a pas d'habitude et c'est assez intéressant à jouer. Putain, il a de la vie, hein. Il résiste, le bougre. Hein. Je sais pas combien de temps ça fait que j'ai commencé le combat, mais quand même. Hein. Alors... Non, c'est trop risqué. Tant pis, on laissera Club là d'attaquer, ça fera qu'un tour de dommage, mais bon. Mieux pour ça que rien. Lina et Cilia prennent vraiment cher. Là, des pierres à travers résistent assez bien. La pauvre Lina et la pauvre Cilia, elles prennent cher après. Ouais, c'est assez avec ce genre de musique là que tu reconnais un jeu quand même. Je sais pas pour vous, mais. Moi, les musiques dans un jeu, c'est vraiment important. Quand t'as une musique qui est tellement épique, qui te transporte avec des émotions et tout. Putain, mais tu peux, je veux dire, tu peux pas ne pas kiffer un jeu ou autre. Du moment qu'il y a des musiques de ouf qui te mettent dans l'ambiance, des musiques de combat, des musiques d'ambiance, des musiques de thème pour moments tristes, pour moments, je sais pas, rigolo, sérieux, tout ça. La bande son d'un jeu vidéo est vraiment quelque chose de primordial pour moi. Franchement. Plus que les graphismes et autre chose, si le jeu a de bons sons, pour moi c'est un jeu réussi. Honnêtement. Le jeu peut être moyen ou. Enfin peut-être que les graphismes peuvent être pas terribles. Si le jeu a des musiques de ouf, ça me suffira. C'est un des critères qui me suffit. Bon, je joue. Oui, vous le savez maintenant, je suis surtout joueur de RPG. Hein. Pour moi, c'est un RPG. Pour moi, un RPG, tant qu'il a un bon scénario. Et des musiques de dingue, ça suffit. Ça me suffit à faire kiffer un RPG. Franchement, bon, j'ai pas d'exemple de jeu avec des graphismes de ouf. Golden Sun, oui, c'est... Bon, Golden Sun, c'est un jeu qui est beau, hein, pour de la GBA. Je trouve que c'est un des plus beaux jeux de la GBA, honnêtement. Après, c'est sûr qu'en combat, bon, c'est un petit peu... Désolé, hein, c'est un petit peu moche. Le fait que ce soit un peu pixelisé comme ça, c'est un peu moche, enfin... Moyen, ça va. C'est pas non plus horrible. Mais, selon d'accord, c'est pas non plus super, super beau. Mais quand même, mais c'est l'OST. L'OST de Golden Sun fait que c'est vraiment un jeu de ouf et que j'adore. Vraiment. L'OST, franchement, ça joue quelque chose pour moi. Mais je sais pas, genre, Rogue Galaxy, quand j'avais testé un moment les lives YouTube, j'avais fait Rogue Galaxy. Et on était arrivé dans un moment, dans ma partie principale, on était arrivé dans un désert. Putain, mais le désert, il a une musique jouée au... Ah, je sais plus quel instrument c'est. C'est un instrument espagnol, une petite guitare, je sais plus du tout quel instrument c'est, mais... Putain, quand t'entends cette musique-là, il était dans le désert. Oh là là, mais sérieusement, c'est énorme. Là, tu sens vraiment le désert et tout, puis même la musique, elle est géniale. Elle te transporte, elle te balade, quoi. Elle est magnifique. C'est pareil pour les Kingdom Hearts. Bon, les Kingdom Hearts, ok, ça... Ça répond des fois dans les musiques des Disney, genre Atlantica, c'était sous l'océan et tout ça. Mais je sais pas, la musique de la forteresse oubliée, la musique de la ville de Traverse. Qu'est-ce qu'il y a comme autre musique sympa? Celle du Colisée de l'Olympe, celle de.
L'Institut du Crépuscule, ouais, elle est vraiment terrible cette musique. J'adore la musique de l'Institut du Crépuscule. D'ailleurs, en parlant de ça, je me suis fait les cinématiques de Kingdom Hearts 358 sur 2Days, là, sur la version HD. Et franchement, Square Enix. Ah voilà, Magicien est battu, donc on va pouvoir latter les 4 boules archi vite. Oui, les développeurs du jeu ont vraiment fait un boulot de ouf. Pour transformer toutes les cinématiques de la DS, bon, elles n'étaient pas dégueulasses, mais il y avait quand même de l'aliasing, il y avait du flou un peu. Mais franchement, de voir toutes les cinématiques en images claires et tout comme ça, oh, ils ont vraiment, vraiment géré leur boulot. Franchement, là, je dis bravo. Là, je lève mon chapeau aux gars de Square Enix parce que franchement, le boulot qu'ils ont fait pour 358 sur 2Days, foutre toutes les cinématiques en HD, c'est vraiment un boulot de ouf. Non, franchement, ils ont vraiment, vraiment géré leur coup là. Donc, les gars de Square, franchement, big GG parce que vous avez vraiment géré quoi. Pour mettre tout ça en HD, ils ont bien géré. Et justement, en revoyant toutes les cinématiques de 358. Merde, j'avais le nom complet. Hein. Attendez. J'avais le vrai nom du truc. Attendez, parce que je crois que j'ai le manga. Et sur la jaquette, c'est écrit sur le côté le comment on prononce vraiment. Parce que c'est pas 358 on 2Days, un truc comme ça. Ils le disent vraiment. Attendez. Merde. Où est-ce qu'ils avaient déjà mis le titre complet? Ah voilà. Kingdom Hearts 358 Days Over 2. C'est ça. Donc si on traduit littéralement en français, ça serait 3. Ouais, bon. Eux ils disent 358, donc 3, 5, 8 jours sur 2. Mais bon, c'est 358 sur 358 jours sur 2. Ce serait littéralement le vrai titre. Enfin bon, on a battu le magicien et ses 4 boules élémentaires. Et 11 280 XP. Ouh! Pierre Sémiral 39, bien. Et voilà. On va récupérer l'invocation. Qui est, sauf erreur, comme je l'ai dit, Léviathan. J'espère pas me gourer. Azul, bon. C'est Léviathan, si vous voulez. Je vais vous la montrer. Et j'en profiterai pour montrer Catastrophe aussi si je l'ai pas, si j'ai pas déjà fait. Alors, fuir, non, pas déplacer. Parce que là, t'as rien à déplacer. Rien du tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me dirige vers le désert de Yompi. Ouais, on peut se diriger gentiment vers là-bas déjà. Alors. Hop, hop, hop. Donc, faudrait que je me dirige. Ouf, ça fait loin. Ouh, on va retourner quasiment vers le début du jeu là. Ça va vers Madra et tout compagnie. Ouf, ça fait long ça. Ça fait vraiment loin. Bon, un petit combat, comme ça je vous montre Invocation Azul, Azul, qui veut dire bleu en espagnol. Voilà, apprécié. Bien sympathique cette invocation aussi. Ok, je vais équiper. Je sais pas du tout combien de génies il faut, donc je vais m'en mettre 5 de chaque. Et je vous montre Catastrophe au cas où je l'ai pas montré. Il me semble que je l'ai montré, mais comme je suis pas sûr, je préfère vous la remontrer une deuxième fois. Au moins comme ça, on est sûr. Oula, non, non, c'est rien. J'ai rien à faire là. Là, c'est vers la Libero, Phare de Vénus, je crois, mais on a rien à faire ici. Strictement rien à faire là. Non, c'est pas le phare de Vénus par là? Je crois, je sais plus. Alors, Catastrophe. Il me semble que je vous l'ai déjà montré, hein, mais bon, au pire, je la remonte, tant pis, ça va. Franchement bien classe cette invocation elle aussi. Allez, on trace jusqu'à Madra. C'est parti. Donc je sais qu'il faut que je vole tout au sud. Ah, Lemuria, ça faisait un petit moment aussi d'ailleurs.
Ah, ça doit faire une dizaine d'épisodes là, Lemuria déjà. Putain, déjà, ça passe vite. Bon, c'est clair que si j'avais fait que des vidéos de 50 minutes à chaque fois, c'est clair que Lemuria, on l'aurait vu au 10e épisode déjà, je pense, hein. Alors, faut que je me pose à un endroit assez intelligent, parce qu'après, je sais que je peux plus remonter. Qu'est-ce qu'il y a comme ville pas trop loin du désert Yampi? Enfin, surtout un truc où je peux accoster en fait, mais qui soit pas trop loin. Alors qu'ils me permettent de rentrer dans le continent, ça serait bien ça aussi. Je sens que j'ai une rivière. Espérant que je puisse aller dedans. Ouais, parfait. Bon, je crois que c'est le plus proche que je peux être hein, du désert de Yampi. Ah bah voilà, parfait. Voilà. On s'arrête là. Donc, prochaine fois, bah, va falloir que je trouve l'entrée pour le désert de Yampish. Le truc, je sais plus si c'est de ce côté ou s'il faut venir de l'autre côté vers Alafra. Bon, s'il faut venir vers Alafra, je vous retrouve directement de l'autre côté, hein. Je vais pas vous faire tout le trajet en vidéo, ça sert à rien. Donc voilà. Épisode combat de boss spécial, enfin combat de boss secret contre le sorcier. La prochaine fois, on va affronter le dernier. Enfin. L'avant-dernier, ou peut-être les deux derniers boss, si j'ai le temps. Si je fais assez vite, j'espère. Donc, voilà, tout simplement. On va faire ça comme ça. On va essayer, hein, je dis, d'affronter les deux derniers boss optionnels. Bon, le dernier est le plus fort. Je suis désolé, je vais devoir utiliser, comme je l'ai dit, une méthode un peu dégueulasse. C'est-à-dire qu'on va. Non, parce que je vais utiliser une invocation que je vais récupérer en battant le boss du désert de Yampi. Et en fait, en l'utilisant 2-3 fois, le dernier boss, il succombe après 2-3 attaques. Donc, c'est déloyal, c'est dégueulasse, mais le truc, c'est qu'un boss en mode normal, je peux pas le battre comme ça. C'est pas possible. Il est trop puissant. Donc, voilà. Écoutez, ben, je vous quitte là. Rendez-vous mardi prochain, comme d'habitude, pour la suite de Golden Sun 2. Allez, bye bye!